Ce que je sais en revanche et ce que j'affirme, c'est que c'est sur les 6 ou 7 familles qui étaient au Forestou, 3 à qui il a été proposé des hébergements parce qu'elles étaient avec des enfants et en situation vulnérable, ont immédiatement, délibérément, et poussées par un certain nombre des personnes qui les manipulent, ont refusé ces hébergements et ces mises à l'abri. Il est donc un petit peu facile pour un certain nombre qui ont poussé ces personnes en situation de détresse probablement à ne pas accepter les propositions d'hébergement que leur faisait l'État, de venir ensuite les récupérer pour les manipuler et les instrumenter.